Je vous propose de nous attarder sur le slow blues en 8 mesures, en s'inspirant d'un titre célèbre des années 70, Need Your Love So Bad, du groupe Fleetwood Mac, période Peter Green à la guitare. Nous allons uniquement nous pencher sur l'introduction jouée à la guitare par Peter Green. C'est très intéressant car cela nous impose de travailler à l'harmonica la précision, le placement et surtout le feeling. Vous constaterez aussi que c'est très intéressant pour travailler les altérations et la maîtrise de celles-ci. Le morceau étant là, l'harmonica que nous utilisons est en ré, en seconde position. Le morceau commence en anacrouse, c'est-à-dire une mesure incomplète qui débute le morceau. 1, 2, 3. Donc voilà, on attaque tout de suite avec le 1 aspiré. On vient souffler sur le 2. On aspire le 2. Et là, on altère le 3 d'un ton et on glisse vers le 3 aspiré, normal. Attention de ne pas altérer trop, puisque vous, au lieu de sortir un Si, vous sortiriez alors un ton et demi, un Si bémol. Et on laisse traîner le 3 aspiré. Partie suivante. Il faut peut-être la travailler à part. Je souffle le 2, j'aspire le 2. J'altère le 3, pareil, d'un ton. Je viens souffler sur le 2 et aspirer le 2. Partie suivante. On retombe sur à peu près les mêmes notes. J'aspire le 1, je souffle le 2, j'aspire le 2. J'altère le 3. Je viens souffler le 2 et j'aspire le 2. La ligne du dessous. J'altère le 2, j'attaque en altérant le 2 d'un ton. Je glisse vers le 2 aspiré normal. Je vais ensuite chercher le 4 soufflé. Ensuite, j'altère le 3 d'un ton et je glisse vers le 3 aspiré normal. Et je termine par le 2 aspiré. Dernière partie de cette introduction, on commence avec les mêmes notes. Donc 1 aspiré, 2 soufflé, 2 aspiré, 3 altéré d'un ton et on glisse tout de suite vers le 3 aspiré classique. Là, on vient chercher le 5 soufflé. Alors, vous pouvez aller chercher en note isolée ou à l'octave. Partie peut-être la plus délicate ensuite, 3 altéré d'un demi-ton et 3 altéré d'un ton. Hein, donc, altéré d'un demi-ton, c'est un Do, altéré d'un ton, c'est un Si. Il faut bien les séparer, il faut bien les distinguer. Moi, j'utilise souvent ma langue, je donne un petit coup de langue. Et on termine par le 2 aspiré. La fin de ce phrasé, on reprend les notes, les plans joués précédemment. Je souffle le 2, j'aspire le 2. Je viens altérer le 3 d'un ton. Je viens souffler le 2, aspirer le 2. Je souffle le 2, j'aspire le 2. Et là, je refais le 3 altéré d'un demi-ton et le 3 altéré d'un ton. Le dernier phrasé qui vient conclure un peu cette boucle est assez libre, on peut y jouer ce que l'on veut, peu de notes, un peu plus. Attention de ne pas trop en mettre de toute façon sur la globalité de l'introduction. Oui, il y a plusieurs manières de terminer cette intro. Voilà. Allez, on se la rejoue encore ensemble une dernière fois.
Alors n'oubliez pas, les notes doivent respirer, il faut bien travailler les bends. J'espère que, en tout cas, ça vous a plu. Le lien du playback, vous le trouverez dans la description de la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie et travaillez bien. À bientôt.